commune nous a fait une belle terrasse, donc on essaye d'agrémenter un petit peu par des amis en Mercedes, ça aurait pu être Renault, mais ils n'étaient pas là. Ouais. Le pauvre maire, il n'est pas là non plus, il a d'autres occupations en ce moment. Ça, ouais, il est très occupé, oui. Ça, il fait partie de nous. Ouais. Et donc, on essaye d'animer un petit peu le village pour qu'il n'est pas là, et voilà. Exactement. Mercedes. Après, nous allons manger une bonne paella au Flamboyant. Ah, le Flamboyant. Le meilleur restaurant, je ne vous fais pas dire, De la région. Ouais. Tout ce qui s'enfuit. Je pense qu'on va passer un moment agréable et puis on va essayer d'être agréable avec tout le monde. Et ça, c'est l'important de la chose. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, oui. Et là, nous avons tous les propriétaires, membres de l'association du... Tout à fait. Les amis de Bray qui nous aident tout le temps. Voilà. Les bons clients. Qui participent à tout ça. À cet événement, voilà. Évidemment. C'est le premier, l'année prochaine, je pense qu'il y en aura 50. Oui. Voilà, il faut... Non, mais voilà. On les a retenus parce qu'ils seraient tous... On aurait tout envahi, là. Et on peut parler à monsieur le président de l'association. Oui, monsieur le président de l'association. Voilà. Et là, Bernard. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. C'est le président de l'association. C'est le président de l'association. Depuis quand? Depuis cette année. Depuis cette année. Un nouveau président. C'est le prototype, là, et je pense que ça va. Je pense que ça bouge un peu près sur scène. Il faut agiter un peu les choses, il faut agiter l'arbre, il faut quand même trouver toujours des moyens pour créer des événements, des idées, voilà. C'est ça, voilà. Et il faut les faire suivre, voilà. Apparemment, ça démarre bien. Ça démarre bien, et puis en plus, grâce au réaménagement de la ville, oui. Nous profitons de magnifiques terrasses. Monsieur Marcadet a fait quand même du bon travail. Il a fait bon travail. Il a arrangé. La ville revient au niveau qu'elle devait être dans le temps. Et comparé à certaines villes de la région que je ne citerai pas, nous avons maintenant une voirie qui est en parfait état. Et je peux préciser une chose. Moi-même, habitant au rez-de-chaussée, avec toute cette pluie abondante, pas une goutte d'eau. Pas une goutte d'eau. Ça a été bien fait. Ça a été bien fait, ça c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Vous avez amené certainement une Mercedes. Oui. Moi, c'est mon prénom, Mercedes. Et, vous avez amené madame. Oui, c'est vrai que j'appelle Mercedes. Marie Mercedes. Oui. C'est vrai. Oui. Ben voilà. Comme les choses se font bien. Hein, sans le vouloir. Hein. Voilà, sans le vouloir, mais c'est comme ça, c'est la spontanéité qui compte. Voilà, exactement. C'est la preuve. Hein. J'appellerais ça une limousine. C'est une limousine. C'est, disons, ah oui. Vous êtes au moins taxi, non? Non. Oui. Oui, oui. Et vous? Ah ben voilà. Ouais. Il manque rien. C'est top. C'est top. Ça fait combien de temps que vous avez cette voiture? Alors, je l'ai racheté il y a 5 ans. Oui. Et depuis, je ne peux pas m'en défaire. Passer. Voilà. Oui, voilà. C'est une. C'est un plaisir de conduire avec cette voiture. C'est une passion. Oui. C'est une passion. Et... Enfin, je la garderai le plus longtemps possible. Eh oui. Mais elle est bien partie. Hein. Mais vous savez, une voiture, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. C'est... Ah, c'est une voiture qui vit avec la personne. Les Mercedes, c'est ultra solide. C'est très fiable. Et c'est merveilleux. Vous êtes très belle dans cette voiture, madame. Ah, c'est grâce à la voiture. Merci. Non. Les deux. Voilà. Alors donc, c'est votre
c'est votre domicile. Domicile, et vous partez en vacances souvent. Ah, voilà. C'est une caravane Mercedes. Voilà, camping-car. Camping-car. Camping-car Mercedes. Motorisation et avec un équipement caravane Autostar. Autostar, hein. Voilà. Oh, oui. Vous avez une salle de bain ? Une salle de bain, bien sûr. Ah oui, avec la douche et tout ça. C'est incroyable. Hein. C'est comme un bateau, quoi. C'est un voilier. Voilà. Et la cuisine ? Ça, c'est le frigidaire. Ah, il y a tout. Oui. Et là, c'est la cuisine. Voilà. Et la sieste, c'est pas pour tout de suite. Hein. On n'ira pas jusque là. Hein. Non, là, on n'ira pas jusque là, mon cher. Pardon, Monsieur Gérard. Au revoir, nous allons faire un petit tour d'embray, Monsieur le directeur. Bien. Eh bien, profitez-en. Nous allons visiter les trains de Longueville. Eh voilà, mais j'ai pas le temps parce que je dois être en conversation. Je comprends très bien. Oui, l'Espagne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la Mercedes ? C'est le top de la voiture. Tu penses ? Tout à fait. Tu sais quoi, on va faire de Rosy dans une Oui, on va la mettre sur Facebook.